Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode d'Anou. Alors j'ai remonté un peu les qualités graphiques, ça devrait être un peu moins moche. Est-ce que tu peux me montrer où est-ce qu'il est là? Voilà. Super. Non, par contre, désolé. Oui. Par contre, si je me plante de touche, ça marche pas. Ah, c'est la fameuse colonie qui a été établie en Skredos. Ah non, c'est. Ah non, oui, c'est. Oui, alors attention. Parce que même quand j'ai quitté le jeu, j'ai eu le temps de découvrir encore quelqu'un. J'avais rien demandé, mais le jeu m'a dit découvre cette personne, tu vas voir, elle est incroyable. J'avais rien demandé, hein. Mais il m'a dit si, vas-y, il faut. Donc on a récupéré 3 naufragés là vite fait. S'enorgueillir, se dire. Diriger la prison d'une main de fer. Le bruit de gens qui pourraient vous être utiles, acheter leur liberté, ils rejoindront volontiers votre compagnie. Oui, mais je vais pas acheter des gens, je m'en fous. Quel que soit leur crime. Je me fais fort de leur trouver un châtiment. Ah si, ah mais c'est parce que c'est des gens avec des bonus de revenus et tout. Ah ouais. Ils demandent frais de recrutement, prix de vente. Oh, les mecs ils sont vendus comme des objets. Moins d'œuvres requises, moins 40%. Non, ces deux-là ils sont beaux. Hein. Comment se porte votre conscience? Je peux entrer dans des relations avec les gardes, la barrière culturelle est parfois perfide. Oui, je veux bien te croire, mais. Ah, j'ai découvert une nouvelle île, c'est incroyable, c'est super. Ah oui, cool. Récupère-moi ça. C'était quoi ça? C'était le. Voilà, il faut que je livre. Il faut que je livre. Un Blake. Amène-lui ça tout de suite. Voilà, à pleine vitesse, vas-y. Alors, pas à pleine vitesse. Va falloir y aller doucement. Déjà, pourquoi il y a une musique d'action vénère? Se calme, hein. Mets-nous en pause. Ah oui, mais quand je suis en pause, je peux rien faire? Si. Si. Faire des choses, non? Ah non, je peux rien faire. Sors-moi de la pause. Sors-moi de la pause. Allô? Le jeu? Ah merci. Enfin, échappe. Oui, je peux désormais. Nique-toi, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fiche en fait, juste de ta vie. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir finaliser. Finaliser certains bâtiments. Ici, tout avait été fait, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui avait pas été finalisé? Est-ce que j'avais sorti de la brique partout? Je pouvais en sortir. Je crois que oui. On est en malus, on est en négatif. Pourquoi? Il me faut toujours plus de mecs. Il y a un truc qui manque. Pénurie de mecs. C'est possible ça. Ah ouais, on est genre vraiment à zéro en laine. D'accord. D'accord, bah voilà. On a notre réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la laine. On va filer la laine. Filer la laine. Et bref. Mais eux ils sont engorgés, c'est ça? On est aux petits soins. Stockage de sortie saturé, ouais. Donc c'est vraiment les dépôts qu'en peuvent plus, quoi, qui sont en PLS. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air vraiment d'être ça en plus. Donc. Filons la laine. Mais je suis con, je le fais exprès. Ne répondez pas. Ah merci. La terre ne peut être exploitée que si nous avons assez de champs. Nous devons les aménager. Oui, on a bien compris, hein, Choupette. Il n'y a pas de problème, on suit. On suit ce qui se passe, tu sais, hein, ça a pas l'air comme ça. Ça a pas l'air toujours évident, mais... oui, on aura une double route un peu vilaine ici. Pas. Ou alors on se met une petite déco. C'est très important la déco. À ce qui paraît, la déco ça fait rentrer plus d'argent. Légende urbaine, c'est possible. C'est possible. C'est possible que ce soit une légende urbaine. Yes, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais? Mon bateau il est où? Non, je m'en fous. Mon bateau. Voilà, ça c'est mon bateau. Est-ce que j'ai celui-là pour le suivre, hein? Partie sauvegardée. Non. Ah ouais, on a pas une touche pour suivre le bateau.
Ok, bon, de toute façon, on est arrivé. Oh, en fait, 20 minutes, en vrai, on est large. Vous ramenez la joie, c'est et il a les graisses. Alors attends, après j'ai 3 naufragés ici. Allez, c'est parti. Donc tu veux que je construise ton chantier naval là, donc tu m'as dit en bas dans le menu ouvrier, je peux maintenant construire des voiles, parce que j'ai... Si je fais des voiles, je sais plus. Est-ce que j'ai un truc qui... Oui, je produis de la voile, exact. Église, non c'est fait, pain. Ah oui, j'étais sur ça moi à la base, j'étais sur l'idée de faire du pain à un moment donné. C'est vrai qu'il y avait cette idée saugrenue. Poste de police, armes, savon, trop d'acier, petit port, un quai, ça sert à rien un quai, c'est quoi l'idée du quai? C'est nul, ça ne sert à rien, c'est juste de la pure déco, d'accord. Chantier naval pour voilier, ça me paraît bien ça, ça me paraît un peu balèze aussi. Le premier chantier naval de notre ville. Immortalisons ce moment historique de notre première édition. Prendre la photo. Oh, ça paraît très bien. Parfait. Allez. Oh, il y a la photo. Le cliché parfait pour illustrer. J'ai bien compris. C'est parfaitement un cliché. Oui, mon vieux. Oui. Incroyable. Incroyable. Lecture. Je cherche des naufragés. Ils sont où? Viens toi, du coup, couillon. Ainsi vous construisez des navires comme votre père. Quel heureux hasard. La reine a un cruel besoin de navires. C'est bon ça. Quand j'entends couronne a besoin si de l'argent. Les blessures du passé se refermeront d'autant plus facilement. J'ai envie de te dire accordé, mais il m'en manque une. Une commande pour la flotte royale? Et d'une telle envergure? C'est un honneur des plus rares. Ça va, il y a 4 bateaux, calme-toi. L'autre, elle en peut plus, il y a 4 bateaux. Il y a un problème avec les armes qui nous ont été commandées. Je ne suis même pas sûre que nous ayons un gisement de fer à exploiter. Excusez-moi. Peut-être personne n'a-t-il revendiqué cette île? Ma bannière flotte sur une nouvelle terre sacrée. Ça me fait plaisir. Ils sont en train de prendre toutes les îles que j'ai appris. Ouais, je m'en fous. Attends, je suis déjà en train de galérer là avec ce qui se passe ici. On verra plus tard. Hein. Non, la prison, la prison. C'est bien ça. Hein. Ok. C'est parce que j'ai demandé, je demandais à ce que... Oui, c'est bien ici. Ah, c'est bien ici. C'est ici. Vite, on revient ici. Très bien. Un gisement de fer. Monsieur, on a ce qu'il faut, tu vois. La campagne est bien faite. Ça va être quoi, ça va être ici? Eh bien alors. Et barré. La route vers le pont. Justice est rendue. Ah, formidable. Comment ça? Comment ça c'est la route? Ah d'accord, on peut pas passer par là. Ah c'est problématique. Cliquez sur gisement de fer. Ah, j'ai cliqué dessus. Le fer est inaccessible. Yes. Nous n'avons pas le choix. Il faut trouver le moyen de creuser un tunnel dans la montagne. Et... Alors attends, l'outil va passer une commande de une goélette. Il me reste quelques bâtons de dynamite. Des canons. De quoi nous ouvrir le passage? On fera des canons. Ce n'est peut-être pas assez raffiné pour ta sœur, mais au moins les ouvriers peuvent commencer à creuser. Site d'extraction. Il se passe des choses intéressantes là. Avant de poser des charges explosives pour ouvrir l'accès au gisement de fer de Ditchwater, ces tunnels abandonnés devront être étayés. Étayés ? Enfin, étayés les. Ah, intéressant. Ouais, vas-y, balance. Il y a toujours quoi faire. Le travail à la ferme, ça se fait pas tout seul. Commence. Il y a tout ce truc-là. Partie sauvegardée.
comprends rien. J'ai rien bité, c'était bien. J'ai pas fait d'effort plus que ça, ouais, tout à fait, ouais. C'est exactement ce qui vient de se passer. Ouais, build un pâté de maison suivant. Je vois que c'est la misère, tout de suite en ouvrier. Construire trois conneries, ouvrier. Ok, on a transformé quelques quartiers, quelques petites cartes. Ah oui. On va se remettre un. Oui. On va se remettre un petit quartier de maisonné. On doit avoir un peu de planche maintenant. C'est toujours à 100%. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? La démolition est une affaire sérieuse. Elle demande une véritable expertise. Oh mais merde! Non mais vraiment juste... Notre père s'en remettait souvent au bon sens. Non mais il y a trop de choses qui tombent là par contre en même temps, c'est juste vraiment trop chiant. Cherchez la boutique de l'expert en démolition près de la menuiserie d'Edward. Le commerce et l'industrie... Que te passe-t-il par la tête à te montrer ici? Excusez-moi. Donc il faut que je cherche une boutique en démolition. Ah c'est bon, je l'ai trouvé. Après les protestations, beaucoup de braves gens ont quitté Bright Sands pour vous rejoindre. Alors en représailles, Edward a fait emprisonner tous les partisans de votre père, dont mon cher Thomas. Mon époux et les autres ont été déportés à la prison de Wormways. Et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Si jamais vous le trouvez, dites-lui bien que sa femme attend son retour. Nous approchons du lieu où ton père a trouvé la mort. Quoi qu'il se passe, reste calme. Vous voici donc, les enfants d'un traître. Comment oses-tu ? Oh, épargnez-moi votre laïus. Votre père a vendu une île prospère à une poignée de rebelles arrivistes. C'est bien pire que de la trahison. Notre père n'aurait jamais pu. Il était le loyal sujet de Sa Majesté, un membre du Conseil Royal. Il s'est pendu dans l'une de mes cellules. Pour moi, cela relève d'un aveu, sans l'ombre d'un doute. Nous ne sommes pas venus nous faire insulter, mais pour passer un marché. L'expert en démolition, Thomas, c'est lui que nous voulons. Oh, je me souviens bien de lui. Obstiné, fort en gueule, et tout aussi innocent que les autres. C'est du menu fretin. Une caution a été fixée. Payez sa caution jusqu'au dernier sou, et je vous le confierai sur le champ. Ah, c'est britannique. J'ignore quelle valeur il peut bien avoir pour vous. Tous ces prisonniers sont la lie de l'humanité. C'est un ébéniste, un garde forestier, tisserand, professeur de vengeance. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais mets-moi sur le menu là aussi, Saka. Ah, mais je peux pas, ils m'ont bloqué le menu. Ah, il faut que je sois sur l'une de mes îles. Hein. C'est bon. Qui est agité là? Pourquoi? Que fait la police? Vite! La police. This is the police, the police, the police, the police. Comme on dit, mais riche. Ici. Ah, mais ça rentre pas là. Ah, c'est chiant là. Valide. À leur mettre des routes en bricasse. Hein. On va arrêter les conneries. Hein. Voilà, de la vraie route en bricasse. On pourra faire de la bière, des canons. Alors, des tas de choses sympas. Hein. Donc c'est bon, la portée maximale de mon poste. Alors quand je l'ai mis là. Ah non, ça porte pas du tout sur les quais par contre. Genre pas du tout. Navire construit.
Ah oui, mais il y a des champs ici que je vois jamais. Mais il y a des champs. Ah, je les vois pas, hein, mais ils y sont. Hein. Information d'agent, ok. Jovio. Ah, il faut qu'ils soient heureux en plus, les flics. Ah, si vous n'avez pas le choix, vous devez être heureux. Heureux et en marche en plus. Hein. Et vous n'avez pas le choix. Ouais, le taux de chance de brûler quand même est un petit peu élevé dans le pays. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tout de suite rajouter une caserne de pompiers. Genre dans les endroits un peu craignos, par exemple. Oui, je repars ici, oui. Exactement. Par contre, question, est-ce que ça change quelque chose si je change la route? Je pense que oui, mais... Je pense que ça change un peu la portée des bâtiments, mais je suis pas... Je suis pas fort belle, hein. Remplace cette route. Alors à ce moment-là de la vidéo, vous êtes plus que 0 viewer. Voilà. Troisième vidéo à être obligé, il n'y a plus personne déjà. Vous n'allez pas me faire une prison d'architecte où les gens y restent. Pareil, soyez sérieux, 5 secondes. Non, c'est très joli. Très joli. Non, mais arrête. Ouais, il y a quelque chose. Du coup, est-ce que ça a augmenté la portée de ma caserne? Ah oui, ça a augmenté la portée de ma caserne. Ça, ça fait plaisir, évidemment. D'accord, et ça l'a même bien monté, hein. Ça déconne pas. Ok. C'est cool. Ça a fait baisser un petit peu le risque d'incendie, donc c'est pas dingue. Il n'y a pas moyen de former plus de monde. Pourquoi impossible? Bonheur de la population, plus 23 sur 30. Ah, il faut plus de bonheur, faut que les gens ils soient genre bien heureux, tout ça, d'accord, ok. Pub. Ah, je la connais la chanson, elle est pas écrit con sur ma tête, hein. Je sais que ce qu'ils veulent, les gens, c'est picoler, hein. Faut arrêter de me la faire, hein. Parfait. C'est parfait. Moi, je sais pas si on peut pousser jusque... Non, on peut pas pousser jusqu'en bordure de tout le jeu. Et tu t'abuses pas. Tu peux pas aller plus loin que ça. Ah. Et voilà. Très joli. Ça, on s'ajoute encore un petit peu de population, on est pas mal. À la prison, dans la carrière de pierre. Ah d'accord, il faut que je le trouve manuellement. Allez, c'est celui-là. Ça va être un mec sur qui je peux cliquer de toute façon. Non. Je donnerais cher pour échapper à la roue, mais non, je suis pas l'expert que vous cherchez. L'ingénieur de Samuel? Oui, c'est moi. Qu'il demande? Bah moi. Autre question. C'est le maigre salaire de mes souffrances. Ah, c'est payé, c'est payé. Il est prêt à être transféré. You. Ouais. Ouvrez l'œil et guettez les navires ennemis. Ah, ça le met en mode escorte tout de suite. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Ça, c'est trop bien. Ça, par contre, c'est vraiment trop bien. Tu cliques droit sur un bateau allié, bah voilà, ça se met à le suivre. Tranquillement. Partie sauvegardée. Ça, c'est parfait. Et la partie est sauvegardée, évidemment. Ouais, la première phase, machin, ok. La goélette, elle est construite, non? Attends. Mon île.
Nous sommes parés à la tâche. Goélette. Ça oui, c'est bon ça, la goélette c'est valide. Après il faut des canons impératifs, mais genre impératif il faut des canons. Du coup on va voir ce qu'il me réclame pour les canons. Ah bah il me réclame la mine de fer, je suis bête. L'acier bah va falloir aussi du bazar, hein. Enfin, on va falloir dans tous les sens. Bon, du savon. Bon, du savon ça je peux en faire. Une et 30 secondes. Donc, faut que je mette deux comme ça pour avoir un savon. Ok. Faisons du savon, c'est parti. Alors, toujours plus de ferme à Grugruik, de la Grugruik fermière. Du bon Grugruik fermier. Ouais, si je fais ça, je peux pas prolonger la route. Si je fais ça, 1, 2, 3, je peux prolonger la route. Parfait, faisons ça. Casse pour moi. Parfait. Voilà, maîtrise incroyable quoi. C'est fou hein. Il y a quand même un degré de maîtrise qui est assez impressionnant. De la fonderie de suif. Yes. Fais-moi de la route. Hein. Ne m'embête pas. Y a pas de pompier proche dans le coin. Hein. J'en aurais bien mis. Hein. Ah, le voilà. Tâche de faire une première impression convenable. Les amis de notre père sont nos amis. Il n'en veut pas. Patience. Pourquoi je peux pas? Pourquoi faut de l'acier? T'es sérieux? Faut de l'acier pour faire du suif? T'es sérieux? Ce jeu n'a aucune pitié. Hein. C'est pas grave, je vais préposer les infrastructures. Hein. C'est pas grave. Pour la savonnade. C'est bon. Oh, l'usine à savon. Tu peux te polluer un peu. Va te cacher derrière, ça sera très bien. Derrière les pompiers. Fais pas chier. Je sens qu'il faudra que je rajoute un dépôt moi, dans cette histoire. Oui, il faudra que je rajoute un dépôt, clairement. Donc il n'y a plus de place ici pour mettre un dépôt. Ouais, ici. Parfait. Parfait. Mais genre, parfait. J'aurais voulu le faire exprès. Ça aurait pas marché. On va mettre des vraies routes. Yes. Non, par exemple. Yes. Voilà, on tire quelques vraies routes. Faut qu'on mette de la brique. J'ai envie de dire. Ne nous gênons pas, on a de la brique. Paye ta brique à ton voisin. Voilà. Pas mal. J'avoue, on a de la brique. On a vraiment genre beaucoup de briques. Ah non, je crois que c'est la fin. Là. C'est ça. Ah, c'est la fin. Voilà. On a plus de briques. J'aurais quand même bien fini ce coin là. Zéro. Ouais, bah je l'aurais bien fini, mais on va pas le faire. C'est tout. C'est tout. Oh là là, faudra vraiment que j'aménage genre l'autre briqueterie parce que là. C'est la misère absolue. Est-ce que je fais pas ça d'ailleurs? Parce que la brique, je connais la chanson, on va s'en servir à tous les niveaux, hein, tout le temps, tous les jours. Regardez, c'est tout ce qui compte. Ok. Il me faut un dépôt.
Non, pas des résidences, c'est le point dépôt. Ah, ça passe pas. Ah, c'est terrible, ça passe pas. Yes. Et puis il va falloir de la vraie route. Alors, une caserne de pompiers, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Faut que je colle une caserne de pompiers là-dedans. Ah, ça veut pas ici. Ça veut là. Parfait. Il faut une route. Et genre la route de ta vie. Non. Voilà. La route de ta vie. C'est beau. Incroyable. Et là, d'un seul coup, on peut accéder. Et ça, c'est grandiose. Ça, c'est grandiose. J'ai envie de faire comme pour les autres, un bout de route en bricasse. Voilà, très joli. Très très joli. Et normalement, j'ai assez pour terminer ça. Incroyable. C'est fait. Alors, parler à l'expert en démolition. Je sais pas, il est où, mec ? Ah non, c'est le prisonnier là, géant. Donc, je suis une marchandise maintenant. Bah oui. Une chose qu'on achète et qu'on revend. Votre Exactement. Père me traitait comme un être vivant. Commence la phase. Hein. Je ne sais pas ce que vous cherchez là. Mais je veux que tu la fermes et que tu fasses ton travail tout de suite. Parce que là, du coup, on attend plus que toi en fait. On est encore en positif avec tout ce que je viens de construire. On a encore des mecs. Vous êtes sûr? J'espère creuser pour vous, creuser pour Ellie. Quelle différence. Voilà. On prend pas la pêche toi. On a l'air d'être la méga teuf pour toi. Ça c'est des trucs club nuls. Mais nul. Zéro, à chier. Faisons du pain pendant ce temps-là. Alors je crois que c'est ça, c'est un seul moulin, tout en double, mais un seul moulin par contre. D'accord. Dans la zone Indus, j'ai pas forcément envie de construire ça dans une zone Indus. Bon, toi ici, pourquoi pas, clairement. 140, combien ? Bright Sands ne sera jamais égalé, si c'est là votre ambition. Mais Depressive Man, fous-moi la paix. Mais genre vraiment. Style. J'aurais pas assez de briques pour payer. Ou j'aurais pas assez de briques. Ou il en faut 9. Ah si j'en ai, pile 9. Au moment où je dis, oh, j'en aurais pas assez, je commence à regarder. 7, paf, ça passe à 9. Magnifique, incroyable. Alors j'ai pas mis de chrono, c'est possible que ça fasse plus d'une heure. Mais vous inquiétez pas, j'ai un café. Qui a déjà tiédi d'ailleurs. Et machine qui s'est déjà éteinte. D'accord, bon, garde-moi tout ça au chaud. Calmez-vous. Donc, va pour un deuxième donc moulin. Ouais, pourquoi pas. Admettons. Non, je vais le mettre comme ça. Enfin, non. Comme ça, c'est le bon deal. Et j'ai envie de démarrer juste à côté, je pense que ça ira, ça fera genre. 96 sur 144, on peut encore en mettre. Ah, on peut pas aller plus loin. Ah oui, mais il faut pas que j'aille si loin, sinon... Ah si, si, bah, si je peux aller aussi loin, si, si, j'ai rien dit. Yes. Ce sera 132 sur 144. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ou alors, si je mets les derniers, ça donne quoi, genre? Ça fait une ligne comme ça. C'est pas joli. Sans entrepôt, on va pas aller loin. C'est vrai que sans entrepôt, on risque pas de faire grand chose. Hein. West. Ça c'était correct. On met un moulin ici. Oh, regarde, c'est magnifique. Paf, hey, il était fait pour aller là. Un seul moulin, et par contre, il faut deux boulanges pâtes. Alors, je sais pas si les boulanges doivent être à apporter, genre des gens. Ah, ouais, il y a l'air d'y avoir un délire.
Ouais, il y a rien d'y avoir un délire de la boulangerie, faut qu'elle soit à portée de tir. Hein. Ah, parce que là, je suis loin, très loin de tout, je le sens. Mais j'ai envie d'en mettre une quand même ici. Ah, oui, non, mais alors non, pas du tout. Pas ici. Là, oui, plutôt, ouais. Plutôt, on dira ça. Pouf. Voilà, on se fait un quartier un petit peu VIP, tu vois. Un peu plus smooth. Un peu plus embouche, tu vois. Ah, mais j'ai pas de matériaux. Ah, j'ai deux briques. Faut faire. Ah oui, mais c'est parce que je suis en lecture. Faites de la brique. Ça va arriver. Poisson, on est comment? Poisson, c'est une marchandise, ça roule. En fait, tout roule. À part les fringues, genre, les fringues, c'est zéro. C'est zéro tout le temps. C'est non. Tu travailles bien. Ouais, bah si, en fait, ça a l'air d'être non, mais si, en fait. Ah mais j'ai pas fait cette bergerie. Fais cette bergerie. Ah, c'est pour ça qu'elle apparaissait jamais. Ouais, ça explique beaucoup de choses. Hein. Ouais, j'ai genre zéro fringue tout le temps. Donc eux oui, ils ont des fringues, mais dans les derniers quartiers que j'ai construit, ouais c'est ça, ils en ont pas. Ok. Faut que je fasse filer la laine. Hein. Non mais j'ai pas besoin de voir le reste du monde. Excuse-moi, on le ramène nous ici. Il faudrait que je fasse filer la laine. Ouais. Et je vais filer la laine juste à côté. Donc il faut que je démolisse avec W que je démolisse, c'est ça. Donc je vais un peu plus large. Il faut se mettre un bout juste à côté. Ça serait un peu lourd de se mettre un bout juste à côté. Je vais d'abord tirer ça comme ça parce que pareil, je vais voir si je peux pas glisser un pompier ici. J'ai tellement de risques d'incendie que de toute façon des pompiers, je peux aller en claquer partout. Hein, c'est vraiment... Ouais, alors ouais, c'est pas mal, mais il faut détruire ce truc. Ah, on essaie d'emboîter des trucs, hein, voir si ça marche un peu. Hein. Non, pas du tout. Oui, de la vraie. Du goudron, ma gueule. Non, un peu plus loin. Ça suffit. Yes, pas très bien. Et vous m'avez réclamé un entrepôt. Bon, on va pas le mettre là l'entrepôt. Faire. C'est vraiment... Ah merde. Enfin flûte. Voilà. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Elle en est où la première phase là? C'est pas ton problème. Pas d'entrepôt à porter. Hein? Bah attends, je te fais ça tout de suite, hein. S'il y a vraiment que ça... Voilà. Tu veux vraiment y avait que ça pour te faire plaisir, voilà, le problème est réglé. Ça me fait très très beaucoup plaisir. Ah j'ai plus de... la plus de briques. Ah ça y est, hein, on est arrivé aux routes, on en a pris goût, hein. En goût quand on voit comment ça développe les potentiels, le potentiel maximal cosmique phénoménal, c'est sûr qu'on y prend goût. Mais on peut pas les améliorer ces machins là. Et si parti, faut de la brique et du pognon. J'ai pas de fric. What, vite des impôts tout de suite, vite.
Des impôts. Non, des impôts, vas-y. Résident insuffisant. Mais non, faites pas ça. Ne dites pas tous que vous êtes en insuffisance rénale. Et alors ? Mais quoi ? Mais il y a du poisson. Faites pas genre, bande de cons, il y a du poisson. On est en surcharge de poiscaille partout. On est au max tout le temps. C'est quoi l'embrouille bouffée ? Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Mais ils sont en train de me le faire. Hein. C'est pas qu'ils vont pas me le faire, c'est qu'ils sont en train de le faire. Oui, il n'y a pas de vêtements, mais oui, mais ça, ça arrive. Problème de bonheur, t'as tout. J'ai épluché les comptes. Inutile de nous voiler la face, la faillite nous guette. Empêche ce désastre. Ça va aller. Regarde, c'est en train de remonter. Les gens, ils sont contents. Regarde, ils sont contents. Vite, passe. Vous n'avez qu'un seul mot à dire. Un seul mot à dire, payez des impôts. Ça fait trois mots, mais je m'en fous. Paye. Et comme ça, tu payes trois fois plus. J'ai trois fois plus de mots. Ok, il me faut un quartier d'ouvriers. Un nouveau. Alors, est-ce qu'on peut tirer un quartier sympatoche un peu par là, là, où ça va déborder ? Ah, ça déborde. La production s'est arrêtée. Quoi ? Est à l'arrêt. Ah, il n'y a plus de ressources ? Ah, c'est parce que je dois plus avoir assez de résidents. C'est pour ça. Cherchez pas, c'est sûrement pour ça. Allez, j'ai assez de plancher, pas genre. Voilà. Parfait. Parfait. Hein ? Il faut même des matériaux pour le vieux chemin de nul ? Ah bah, il faut juste des thunes. Bah voilà, j'ai pas de thunes. Hein ? Problème réglé. Faut arrêter de jongler avec le pognon comme ça, n'importe comment, s'il vous plaît. La production s'est arrêtée. Ah, c'est parce qu'ils arrêtent pas de relancer, d'accord, et que ça me bouffe des consommables, des gens et tout à l'infini. Fallait prévoir que ça avait un coût. Et quoi ? Mais pourquoi mes impôts c'est yo-yo ? Pourquoi c'est le yo-yo style ? Mais arrêtez ça ! Mais arrêtez tout ! On va construire juste là où je peux construire, avec le temps. Je peux construire là, je peux construire là. Voilà. Ah ça, les routes qui coûtent de l'argent, ça peut t'achever la vie. Hein. C'est-à-dire que tu veux gagner plus d'impôts en rajoutant des gens, bah tu peux vite l'avoir dans l'os. La production s'est arrêtée. Oui, la production s'est arrêtée, tu m'étonnes. Mais tant mieux, parce que la production, elle me coûte un bras, visiblement. Alors, on a l'air de remonter un petit peu, voilà. Allez, les ouvriers, faut s'installer, les enfants. Allez. Enfin, les fermiers. Voilà. Le plus vite possible, on les bascule en résidence supérieure. Comme ça, ils radinent un peu leur boule et puis on est un certain. On connaît. Combien là, 15 hein. Privilégiés. 16, ok. Oui, donc je gagne quand même des citoyens dans l'histoire, ouais, c'est cool. Ok, continuez à vous augmenter. 8. 9. Allez, il faut croître. Faut croître. Les impôts ça remonte, on peut boucler un bilan financier sympatoche. Il y a moyen. Parti, sauvegardé. Mais sinon il y avait l'histoire d'un mec avec son journal. Il y avait l'histoire d'un mec. La production s'est arrêtée. Oui, ta production est à l'arrêt. Mais pourquoi c'est yo-yo financier tout le temps ?
Ah, les ouvriers ils payent un max. Ah ouais. Les ouvriers payent un max. Parce que en... Est-ce qu'on peut voir ma population? Ah si, maintenant on a, ok, on a plus d'ouvriers. Mais on n'a pas beaucoup plus d'ouvriers, genre on a quoi, on a, en gros on a une bonne centaine d'ouvriers en plus, on a 120 mecs de plus. Voilà, hein, en gros. Mais pour le double d'impôts. Ah, j'ai une maintenance qui fait mal aux cheveux. Entre nous, retourner du fumier à la ferme ou avoir les mains pleines de... On t'a pas demandé ton avis, genre juste vraiment t'as rien demandé quoi. C'est fait. Yes. Ça en a une transaction. Et la dette va s'éponger tout seul, ça va. Tout est prêt. Ah, ben voilà, j'en parlais il y a quelques instants. C'est un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir proclamer la vérité ou n'importe quoi d'autre. Dans bah vas-y. Dans notre, c'est essentiel d'être fidèle à ce qu'on est. Exactement. Nous, on n'a pas honte de ce qu'on est. On fait tout ce qu'on peut pour que la ville tienne debout. Alors quel arrêtez miracle, de parler. Ce doit être de partager de bonnes nouvelles. Pourquoi tu repasses en négatif? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi je suis repassé en négatif? Arrêtez. Donnez-moi de l'argent, tout de suite. Là, il y a des paysans, hein, je suis sûr. Hein. Je suis sûr, je connais la chanson, il y en a plein. Hein. Allez. Devenez des ouvriers. Des bons gros ouvriers. Voilà, comme ça, vous payez. Paye. Mais arrête de faire descendre mon fric. Pourquoi mon fric continue à descendre alors que je suis en positif? Mais ce jeu fait aucun sens. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est très très bizarre. C'est très 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 bizarre. Et du coup, je peux pas trop rajouter de maison là parce que j'ai pas de. Ah si, ici quoi. Vas-y, hein, ajoute une multitude de paysans hein, parce que faut qu'on gagne des thunes visiblement. Hein. C'est genre urgent. Tout le quartier là a été transformé. Ah ouais. Oh, j'ai envie de garder ce petit quartier hein, fermier. Voilà, je trouve ça très joli. Allez, faut améliorer ce taux de croissance. Faut qu'on en dette une. Hein. Parce que là j'en ai marre d'être en négatif là. C'est pas acceptable. Les promesses honorées sont rares. De rien, je t'en prie, hein, ça me fait. Elle va me redire dans deux secondes. C'est la crise, au secours, vite, il faut éponger les dettes. oui, bah si c'est un peu moins le yo-yo, parce que ça, pareil, hein, ça c'est un gros problème, c'est que c'est énormément le yo-yo. Genre, s'il n'y a pas un peu de stabilité ou d'une croissance qui pète pas un plomb. Là, il y a vraiment une. Il y a des centaines de canards, il y a dessus à celle-là ou quoi? Il s'est passé quoi? Un accord commercial entre les concurrents a expiré. Excusez-moi, hein, décidément. Putain, je sais pas pourquoi j'ai envie de tousser. Yes, et du savon, je peux pas vous en faire parce que visiblement, pour faire du savon, faut de l'acier. La blague. La blague. Ouais, il faut faire de l'acier, ouais. La grosse blague. On est revenu un petit peu en positif, hein. Mais alors, vite fait. Du coup, on va construire quelques maisonnettes. Et on va prolonger une route tant que j'ai un peu de thune vite teuf. Voilà. Ouf. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire ici? On peut pas hein, construire à travers le. Ah, c'est ça. On peut pas, on est obligé de faire comme ça et on peut commencer après pour le reste. Je voulais faire la route qui rentre chez lui. Vas-y. Vas-y. Vas-y, c'est rigolo.
c'est rigolo. Mais est-ce que je peux mettre quand même une déco ou deux, genre tiens, un puits. Même ça, mettre des puits. Non, on peut pas. Ah, on peut en mettre plein sur le côté. Oh bah attends, on va leur mettre des arbres à maturité. Ouais, on leur met des arbres à maturité. Oh, c'est beau. Au moins c'est beau. On est pauvre, mais on est beau. On est beau dans la pauvreté. C'est ce qu'il faut se dire. La première phase, mec, elle est terminée. Arrête de me saouler avec ça. Vraiment, je te jure, je vais te tabasser. Je vais te finir à la machette, tu vas pas comprendre. Ouais, c'est ça. Donc, on va pouvoir attaquer la phase 2. Sauf que la phase 2, elle a l'air de me pomper moult pognon. Et pour l'instant, je suis pas moult riche. Je suis plutôt moult pauvre. D'ailleurs, en parlant de moult pauvreté. Alors, est-ce que ça coûte beaucoup de pognon? Ça a pas l'air de changer la face du monde en termes de trucs de thunes, mais on est en briques. Okay. Ah si, 460, si à la fin quand même ça change la face du monde. Sinon, j'aurais... Ne sommes-nous pas les branches d'un même arbre? Accords commerciaux. Ah oui, accepté, j'ai son argent. Merci Choufette, c'est adorable. C'est adorable parce que là c'est un petit peu compliqué. Hein. Je vais garder ça comme ça en fait. Ouais, je sais, vous avez pas de route de notre ferry. J'essaie de trouver le juste prix. Voyez-vous, le juste prix. Voilà. Il y en a qu'une maintenant qui n'a pas de. On va essayer de tirer jusque chez lui. Déjà. Yes, c'est bon. C'est bon. J'ai réussi à tirer jusque chez toi. C'est une victoire, non? Quelque part. Mais bon, on peut essayer de faire croire que c'est une victoire. Ok. Alors, je connais tout de suite la chanson. Hein. Ils vont gueuler parce qu'ils ont, pas de quoi s'habiller. Les tisses, d'abord le tissage. Enfin, d'abord le... Hein, la bestiolage. Je pourrais tout mettre en côte-côte, ça serait rigolo. Genre si je te mets comme ça. Hein. Je te mets tes trois moutes-moutes, je mets genre côte alignée. Ah, c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Pas vraiment, écoute, on va prendre la place. Hein. Alors oui, par contre... Parce que par contre j'ai beaucoup normalement de... J'en ai fait pas mal parce que je fais des voiles aussi. Allô? Ah. Voilà. Partie sauvegardée, c'est ça? Ah, je suis pas plus fou que ça en vrai. Je sais pas pourquoi le jeu s'est mis à ralentir. C'est fou. D'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah si, attendez, je dois avoir assez d'argent pour mettre des pommiers. Ce sont les pommiers, c'est ceux-là. Les pommiers. Ça, par contre, je vais mettre des pommiers. Alors, on a assez d'argent pour mettre des pommiers quand même. C'est bon, on n'a pas... Quoi que c'est, 225$, c'était quand même juste de rentrer. Non, on les a pas rentrés, d'accord, j'ai même pas d'argent pour mettre des pommiers. La misère. La misère. À 75$ le pommier, faut dire aussi. Ah oui, non, mais attends, calme-toi le jeu aussi. Yes, tu vois. Et parce qu'il y a une histoire de route commerçante, machin. Partie sauvegardée. Diplomatie.
Oui, pas forcément, je suis pauvre. Ou elle est moins riche que moi, je sais pas. Mais si elle est moins riche que moi, il y a un problème. Je peux dire bonjour. Bonjour. Vous connaissez donc les trois perfections? Ah bah, visiblement oui. Visiblement, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Mais visiblement, oui, traité. Une sage proposition. Et bah voilà. Bah ouais. Déjà on a évité une guerre. Là on a gagné des sous, on vient d'éviter une guerre. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais je veux lui vendre des trucs. Les routes. Ça je pense que c'est les fameuses routes commerciales. Alors on peut vendre un peu à tout le monde, hein. Visiblement ça a l'air d'être la grosse stuff. Créer une route. Route commerciale. Navire sur cette route. Aucun navire n'est affecté. Ah, je peux choisir, ok. On va prendre le Carthage. Un placement de fret disponible sur navire assigné. D'accord. Cliquez sur une île pour ajouter un nouveau comptoir. Je sais pas moi. Tiens, on va vendre à lui. Lui, c'est mon pote. Cliquez pour acheter. Cliquez pour vendre. Moi je veux vendre. Je peux que lui acheter, d'accord. Je peux que lui acheter. Ah. Mais tu m'autorises pas à vendre, je peux que acheter. Je peux rien vendre. Route commerciale. Bah ok, je suis super. Super. Merci le jeu. Franchement, t'es dans la merde financière. Bah t'es dans la merde financière, point barre. Point barre. Le jeu il a rien d'autre à te dire. Il a dit bah t'es pauvre. C'est comme ça. Et si t'avais été riche, t'aurais pas eu de problème. Logique de jeu. Logique de jeu vidéo. Si t'avais été riche, t'aurais pas ce problème. Voilà. Vous commencez à être un petit peu loin d'un marché, non? Attends, on a ce marché-là un peu plus proche quand même. Hein. Non, vous commencez à être loin d'un marché. C'est effectivement problématique. Le marché, est-ce que tu coûtes une blinde? Non, le marché c'est gratos. Et ça change la vie. Marché, c'est accepté. Ah mais j'ai même pas 50 balles. Ah bah c'est super. Ah mais je suis re en négatif. Sérieux? C'est pas possible ça. C'est pas possible d'être re en négatif tout de suite là. Eh ben le jeu est pas d'ici. C'est vrai que j'ai même pas l'argent pour faire une petite route comme ça en bouse. Et le jeu il est pas d'accord. Il sait pas si je suis en positif ou en négatif là. À un moment donné faut te mettre d'accord avec toi même hein. C'est bon, on a réussi à caler une route. C'était chaud, hein. C'était chaud comme route à poser, hein. Ah mais il faudrait que je lui décale une case, idéalement, pour faire passer une route ici, ouais. Supprime la route des pommiers. Ça, ça peut que générer du bénéfice, fais pas chier. Moult paysan, voilà, ça génère du bénéfice et point barre. Bah, s'il faut qu'on commence à compter nos sous, je vais pas être bien. Je vous préviens, je commence à pas être bien. Commencer à avoir faim. Partie sauvegardée. Yes. Il faut 400 boulesses. Je les ai pas. Hein.
problème réglé. En tout cas, marché, c'est bon, c'est géré, c'est réglé, ça c'est cool. J'ai presque envie de faire sauter une caserne de pompiers pour me dire vas-y, j'économise des sous, mais je crois que je vais me mettre dedans si je fais ça. Ouais. Je vais carrément me mettre dedans si je fais ça, ouais. Disons qu'on part sur un incendie si je le fais. Entretien moins 20. Mais tout coûte de l'entretien, genre y'a rien qui rapporte de l'argent, c'est quoi l'histoire? C'est vraiment que les impôts des gens et rien d'autre, quoi. Fermier, ouvrier, donc maintenance, entretien des navires et taxe royale. Ah, j'ai un entretien de navire aussi, mais c'est vrai que j'ai un bateau de trou. Et j'ai presque envie de dire ta goélette, je l'envoie par le fond. Mais je suis pas sûr que la goélette ça change vraiment beaucoup. Tous à vos postes. Ah, est-ce que je peux aller la vendre tout de suite dans ces cas-là? Ok. C'est quoi ton problème? Trop de chariots retardés. Le mariage de la terre et du ciel. J'ai pas 4000 balles choupettes, mais je peux pas. Je peux pas et j'ai pas envie de dire non. Donc voilà. Voilà. Donc je vais être lâche et puis je vais rien faire. Voilà. Nickel. Par contre, on a pas de pain, genre. J'ai pas posé de boulangerie. Si j'ai pas fait ça, vous savez que je me déteste. Hein, si j'ai pas fait ça. Si j'ai posé une boulangerie ici. Ah oui, mais j'en ai posé qu'une et il m'en faut deux. C'est ça. Et il m'en faut deux. Ah oui, que je ne peux pas poser puisque peut-être je n'ai pas. Êtes-vous de... un dragon parmi les mortels? Je n'ai pas d'argent. Je vais l'accepter celle-là. Honte à vous. Yes. J'admire votre minutie. Vas-y, donne ta mission. Ah. Bateau. Le Carthage. Viens me chercher ça. Qui se déplace. Déplace. Nice. Bravo. Un concurrent s'est établi sur une île. France, hein. Ah mais ils vont tous s'installer sur. Je suis trop mauvais, Jack. C'est vraiment. Roule mon gars. Enfin navigue. Le jeu il a mis 3 ans. Oui, j'ai compris que je pouvais vendre ce bateau. Ouais, cool. J'ai déjà appuyé dessus, hein, 36 fois, mais. Merde quoi. Et t'as lu le message, t'as cliqué dessus pour que ça. Pour le fermer, mais non, le jeu te le remet en boucle. En boucle. Alors ça, c'est vraiment énervant. Ça a été 9 notifications de ça n'arrête jamais. Un proche partenaire. Ouais non, le bateau ne coûte que 15$ d'entretien par tour, c'est bon quoi. C'est ça. Empédissement. Je sais pas c'est quoi ça, je sais pas. Hein. Partie sauvegardée. Explosion universelle et autres expositions universelles et autres réjouissances auxquelles s'adonne votre population. Hein? Ok. Je vais pas tout biter. Mais
c'était bien. Ah, une école. Bon, je sais pas si une école ça va changer grand chose, mais... Admettons une école. On est revenu un peu en positif, hein. Un peu. C'est pas non plus... C'est pas non plus dingue, mais... un peu. Sort les terres tous les deux, voilà. Là, on en a besoin. Les trucs dont on a moins besoin, mais on va les sortir de terre quand même, c'est les pommiers. Quel beau pommier. Ah, ils sont beaux. Ah, ils sont magnifiques. Et ça, il me faut combien pour te sortir de terre? 2500. Ah, et 20 acier. Ouh, non, c'est pas tout de suite ça, donc on s'en fout. Yeah, c'était bien, je l'ai posé pour le fun, on dira. Ce qu'il faut que je m'intéresse, c'est donc impérativement à toi. À moins qu'on ait ça, parc pittoresque, machin. Ah oui, on a un peu plus de trucs, ok, au niveau des ouvriers. D'accord. Un peu plus de bio et de machin. Ouais, vas-y, phase de pop des ZAD. Terminer la phase. J'attends encore l'explosion. Là, c'est parti, ça a commencé là. On est bon. Non. Il y a une marchandise. Qu'est-ce qu'il faut comme marchandise? Il faut juste 15 fils, on en a ça. Ah, arrêtez de me dire qu'on n'a pas de fil parce que là ça verra. Non, mais on en a plein. Voilà. Arrête de me dire qu'il y a pénurie, on en a une tonne. On en a une tonne. On a commencé à faire du fil avant de coudre quoi que ce soit. Donc c'est bon. Non, hein. Arrête de saouler le monde. Je rajouterais bien du paysan, histoire de, bah, de rajouter des impôts, quoi. Alors, je peux le mettre comme ça. Vas-y, je vais le mettre comme ça. C'est rigolo. Ah, c'est ça qu'ils appellent une dépression. Ok, c'est rigolo. Parterre de fleurs. Ok, joli. Super. Ok, on a quoi d'autre? Un peuplier foutrant. Bosquet tempéré. Petit bosquet tempéré. Joli, hein. Des choses, on fait des trucs et des machins. On fait des machins et des trucs. Hein. Le Carthage, il est où? Il est où, espèce de con? Mais t'es un abruti ou c'est ça se passe comment? Bateau de con. Bateau de con. Bateau de con. J'espère que t'es vraiment à côté en fait par contre. Alors je pense en fait juste pas du tout. Ah si, ok, t'es à côté. C'est compliqué, hein. Un empire s'étend sur la terre. Ok. C'est Monsieur Blake. Monsieur Black. Très bien. On peut plus rien stocker. Ouais, l'entrepôt il est en PLS, tu m'étonnes. Moi j'en referais bien, mais ça coûte trop cher un entrepôt à entretenir. D'entretien 20, je peux pas moi, je suis au cordeau là. Je suis au cordeau, je peux rien, je peux pas plus. Un incendie s'est déclaré. Ah mais non, vas-y, wesh. Un incendie. C'est vraiment votre vitesse de déplacement ça? Eh mais c'est parce qu'il marche. Ok, j'allais dire, ouais, toi, si toi il y a un incendie, tu te déplaces comme ça. Est-ce que ça vaut? Parti, sauvegarde. De l'acier. Et de l'acier. Bon, il faut vraiment de l'acier. Ah, dans les nouveaux quartiers. Vas-y, c'est la fête. Oula!
pourquoi la musique était pas d'accord, c'était très étrange. Ouais, faudrait, hein. Faudrait que je fasse ça, mais je vais pas le faire. Bien, faut que ça brûle un peu. Ça brûle. Oh non, on mobilise personne. Non, c'est trop cher toute cette histoire là. Mec, il y a des casernes. Pour pas avoir d'incendie chez moi, il faudrait que je mette des casernes tous les combien, une par rue. C'est pas possible. Faut arrêter le délire. Par rue, c'est pas possible. Débrouillez-vous. Cramez bien. Cramez-vous. Faites ce que vous voulez, quoi. Foutez-moi la paix. Ah, par contre, le jeu se met à ramer dès qu'il y a des flammes. Hein. Ah. C'était, tout allait bien jusqu'à ces petites flammes. Je vais trouver le mot. On n'a pas notre résident manquant, mais on n'a pas de raison de ne pas avoir de résident manquant. Donc pourquoi? Pourquoi? Ah bah voilà. Ouais, je passe un palier. L'incendie. Passe un palier. Bah voilà. Ah bah c'est bizarre, ça a arrêté de ramer. Ok, les incendies, ça fait ramer le jeu, c'est un style, pourquoi pas. Pourquoi pas. Prêt pour finalisation? Bah finalise! Allumez la mèche, vas-y. Qui sont donc tous ces importuns? Ce n'est sûrement pas bien compliqué de déblayer quelques cailloux. Dommage que la beauté de mon art vous échappe. Enfin bref, les charges sont armées et le périmètre évacué. Nous sommes prêts à les faire sauter. Boum. Le mec est dépressif et il adore les explosifs. Je peux le renvoyer en prison, s'il vous plaît? Mes excuses. C'était impressionnant, en effet. À croire que la dynamite est la solution à tous les problèmes. Ce mec est un peu fou aussi. Je suis dans ce raid de dingue. Spécial pour un événement spécial. Une nouvelle explosive pour tout le monde. Du fer en acier, de l'acier en armes, et nous aurons honoré notre toute première commande royale. Ok, je suis bien d'accord. Mais d'abord, j'ai des bouquins à honorer. Tu les as à bord? Ok. Le haut phare, livre, dépêche-toi. Oui, j'ai compris, il y a des choses à faire. Mise en attente d'ordre, mais je m'en fous de toi, mise en attente d'ordre. Ah, si tu veux absolument que je le fasse, ok. Oui, non, mais il faut que je. Dis-toi. Voilà, ça, c'est une de mes îles, c'est bon, c'est valide. Oui, on est dans la partie ouvrier, super, cool, de l'acier, oui, cool. Nice, des mines, merci. Je vais pas m'énerver, hein. Franchement, je vais rester calme jusqu'au bout. Je pense. Alors, moi, ce que j'ai besoin de connaître, c'est le cheminement de l'histoire. 15 secondes. Ah oui, par contre, ça produit masse. Direct. Donc, il faut deux mines. Non, il faut deux fourneaux pour une mine. Oh, Sarah, c'est trop chiant. Oh, Sarah, c'est trop chiant. Alors. Vous ramenez la joie? Oui, je ramène la joie, tiens. Vas-y. L'espoir était permis quand votre père vivait encore. Ouais, bah ta gueule. Maintenant qu'il est mort. Oh, mais fais pas chier. À quoi bon? À quoi bon ouvrir ta gueule? Je suis d'accord. Vous avez manifesté le signe, l'intégrité. Oh, ça me fait plaisir, madame. Oh, ça, vraiment, ça me fait plaisir, madame. C'était ici, ma partie ouvrier. Donc, je produis deux unités toutes les 15 secondes. Pourquoi il me faut des charbonniers? Bref, il me faut des charbonnières. Partie sauvegardée. Et il m'en faut. Ah oui, mais d'accord, ok, oui. Ok, nice. J'ai pigé la charbonnière, ok, pas de soucis. Donc on va tout de suite placer les hauts fourneaux. Donc il m'en faut deux. Par. Voilà. Par mine. Hein. On va les placer comme ça. Au moins, vous essayez.
Samuel non plus n'aurait jamais renoncé. Voilà. Voilà. On continue là-dedans. Et ça, c'est toutes les 45 secondes. Bon, déjà, j'ai plus de thunes. Problème réglé. Pourquoi je peux pas? Ah oui, mais il n'y a pas de... Alors oui, parce que pareil, il faut l'histoire. Bien sûr, toujours le fameux dépôt, évidemment. Ah non, pas toi, je vais dire, c'est trop petit, ça. Ah, c'est tout petit. Mais tu m'étonnes, c'est tout petit, ouais. Le fameux dépôt de ses morts, de ses grands morts. Alors la question, c'est est-ce que je peux faire le tour avec la route ou ici, je vais être bloqué? Je suis bloqué, donc il va dégager. Non, il doit rester là, tiens. C'est très joli, en fait, ici. Excellente idée. Excellent. Ça, on fait de la route comme ça, hein. Et donc c'est là où ça devenait chiant en comptabilité, c'est que monsieur Bire, la pollution, vous pouvez connaître, je vois pas où c'est, je ne vois pas où c'est. Tu montes cet écran, super, mais je vois pas où c'est écrit la pollution. Pas clair. Produisent une cadence moins soutenue. Vous pouvez agir sur les conditions de travail pour augmenter vraiment les productivités. Ah oui, mais ça me donnera un effet de malus. Ok. Ok, d'accord. On peut mettre un coup de fouet pour sortir une prod si on veut. Si on a besoin de sortir une prod. On peut la sortir. Voilà. Alors il va me falloir ici tout de suite, très rapidement, une caserne de pompes là. Une caserne de pompistes. Très bien. Qu'importe ce que ça coûte. On est en négatif, ouais, je me doute bien. Ouais. Alors on est en négatif, mais on est en négatif aussi en ouvrier. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sous-effectif d'ouvrier, quelque chose de vénère. Alors ici, on peut toujours pas. Vous avez vraiment sorti d'un mauvais pas. Yes, cool. Non. Le jeu se met un petit peu à ramer, j'ai l'impression. Il aime pas l'industrie. C'est correct, sauf la moisissure sur les murs. On va voir ce qu'il faut. On va voir ce qu'il faut. Largement ce qu'il faut. Là ? Oui, j'ai du mal à suivre le jeu. Le pauvre petit jeu. Des impôts. Voici. Ce qui me fait penser que les pubs ça distribue ouais, mais pas ici. Ce qui est toujours très problématique, hein. Il faut absolument saouler la population, soumettre à une consommation d'alcool intensive, perpétuelle. Charbonnaire, une acierie. Oui, la scierie, je pense que c'est bon. Là, ce qui manque, ça va être. Ah non, j'ai pas construit de la scierie. Non, j'ai pas construit de la scierie encore. Parce que je peux pas supporter le coût d'entretien. Ah non, 200 ouvriers. Ah, si je peux supporter maintenant le coût en ouvrier. Ah, oui, c'est toutes les 45 secondes. Alors, c'est très chiant à optimiser. Là, je produis. 30 secondes, c'est ça, c'est toutes les 30 secondes. Je produis 4 aciers.
Donc je mets... il m'en faut... Il m'en faut 6. Puisque je mets la moitié de temps en plus, il m'en faut 6 aciéries. Et ben là, bonne journée à vous. Ah bah oui, hein, ça douille, hein. Ça prend un peu de place aussi, hein. Et pourquoi je peux pas en construire ne serait-ce même qu'une? Parce qu'il faut 1000 balles pour en construire une. Tout simplement. Yes, bah ça c'est sympa. Visiblement, je suis pas loin. Donc ça c'est bien. Valider. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir sauvé notre société de presse. Oh, c'était inespéré. Yes, par contre, ça, je n'en venais pas large quand les actionnaires nous ont coupé les vivres. Alors là, j'aurais mieux fait. Rien d'autre? Dans ce cas, j'envoie sous presse. On n'avait pas trop le choix là. C'est pas le moment de me mettre des malus faisant tout genre. Oh gros, comme ça, encore. Je dis 7, ça allait encore. Mais ouais, c'est pas le moment de se tirer une balle dans le pied, clairement. Clairement. Sinon, la charbonnerie, c'est pas trop cher. Bon, si la charbonnerie, c'est pas trop cher. Alors, c'est quoi le délire ici? Il m'en faut 2 aussi, c'est ça? Ou 4, je sais plus. 15 secondes. Les 30, il m'en faut 4. Il m'en faut 4, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah, j'ai déjà plus de sous. J'ai plus de pognon, c'est horrible. Plus de pognon dans ce jeu, c'est vraiment la misère. Ah mais ça y est, je vais finir en négatif encore. Ah non mais c'est vraiment horrible. Faut arrêter ça, arrêter tout. Saucisserie, le pain, on produit pas assez de pain par contre, hein, c'est vraiment... Mais bon, vu que tout coûte de l'argent et n'en rapporte pas, on va te dire, bah nique-toi. Hein. Ça coûte. Tout coûte de l'argent, de folie. Ah, j'ai qu'une boulangerie en plus, ouais. J'en ai même pas deux. Faudrait que j'en glisse une deuxième, genre. Je peux la payer. Je sais pas si je pourrais la payer un jour. 1000 balles la boulangerie, faut dire. Oh, ça rase de ses bords. Pas la boulange pâte, quoi. La boule pâte, c'est un peu cher. Un peu cher la boule pâte. Après, ce sont des Anglais, ce ne sont pas des Français, mais je veux dire, en France, si la boulangerie ça devient inaccessible comme coût de construction, bah, tu détruis un pays, quoi. C'est comme si tu pouvais plus construire de bar. Là, tu détruis un pays, quoi. Le pays en PLS, complètement. Allez, ça peut remonter. On a une entrée d'argent qui est raisonnable. Alors on peut se mettre un petit peu plié. Bah écoute, moi je suis pour. Hein. Un petit peu plié. On a quoi là? Un bosquet de peuplier. On fait dans le peuplier. Hein. Parti, sauvegardé. Un petit arbre. Une dépression. Ah oui, non, c'est le...
parterre de fleurs. Un orbe. Ouais, par contre, tu caches tout l'orbe. On va se mettre des orbes là. Voilà. Oh, très joli les orbes. Vraiment, excellente idée. Par contre, on va peut-être virer celui-là. Ça me détruit pas la boulangerie, j'ai cru qu'il m'avait flingué la boulangerie, j'avais été un plomb. Un peuplier faux tremble, et là c'est quoi? C'est un bosquet tempéré. Non, on va se remettre un autre. Dernier type de peuplier. Ah, on est très bien, très joli. C'est magnifique, incroyable. On voudrait y croire. Hein. On va remettre des orbes. Voilà. Et on n'a plus un copec. J'ai tout claqué en bout de bois et ce bout de bois n'est même pas terminé. Voilà, c'est incroyable. Alors, on a terminé nos bouts de bois en attendant de faire la boulangerie. On est tellement. Mais en fait, on gagne rien même quand t'es à plus 500. Mais tu gagnes rien. Tu dépenses tout de suite quoi. Tu gagnes zéro quoi. C'est dramatique un peu. La bière. Et puis le problème, c'est que les exports, j'ai pas compris comment ça marche. Hein. Sinon, moi j'exporte de l'alcool. On y va. Du pain aussi. Du pain et de l'alcool, hein. y a pas d'embrouille. C'est un peu le pain des jeux, mais à la française quoi. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est remonter une cité. On n'est pas les plus malheureux. Ouais, c'est clair, vous n'avez pas l'air d'être les plus heureux non plus. Hein. Vous avez accès à tout, vous. Hein. Allez, c'est parti. Là. Là, j'ai entendu quoi que c'était une pénurie d'alcool, j'ai eu quelque temps. Propagon consumériste. Ah, il y en a qui dépensent un peu de pognon, ça fait plaisir. Tu veux pas que je l'améliore celle-là, hein. C'est théorique, hein. Voilà. Ah, ça c'est long. Pourquoi c'est long? Vous êtes un petit peu loin du marché quand même, hein. En fait, vous êtes pas loin, mais le problème c'est que voilà, faut de la route. De ce côté-là de la rue, ça va, mais de l'autre côté. Vous êtes pas loin de là. Il y a accès au marché, vous faites quoi? Le marché est juste là. Vous faites quoi? Le marché, vous y êtes collé? Suffisant. 71%. Et pourquoi? C'est pas clair. Vous êtes pas clair. Hein. Vous êtes pas clair du tout. Je comprends pas c'est quoi votre histoire là avec le marché là. Mais si vraiment ce qui m'empêche de vous faire passer de niveau c'est juste un marché, je vous préviens, le marché c'est pas ce qui me coûte le plus d'entretien, donc ça me dérange pas d'en recoller moi. Vraiment. Oui par contre je le recolle. Oui, ça c'est une excellente question par contre. Faut que je me trouve une zone pour le recoller. Le marché il tourne tout seul, hein. Si j'enlève ça. En fait, il y a peut-être trop de monde sur un seul et même marché, parce que je vois qu'ici le marché que j'ai mis là, il a une bonne influence, porte loin et tout. Et celui-là il a l'air de galérer. Écoute. Et là il n'y a plus d'embrouille. Et là il n'y a plus d'embrouille. Et là tout le monde il est content, voilà, c'est ça. Voilà, et là tout le monde il est content. Voilà, il n'y a plus personne pour faire chier. Plus de porc, pas de porc. Si on a encore du porc. Contre, ouais, en pain on va être ricrac. Partie sauvegardée. Yes. Et yes, parfait. Bah, très bien. Très bien, très bien. Non, mais attends, j'arrête pas d'augmenter ma population. Je suis en négatif financièrement. Comment c'est possible?
Taxe sur la consommation 144. Ah oui, d'accord, alors même avec la taxe bonus là, on est mal. Hein. Taxe royale 95, entretien de navire toujours 15, ça a toujours pas changé. On a rien d'entretien de navire, c'est une blague. La maintenance, on a une maintenance supérieure. Hein. Je sais pas, alors, ou alors on va faire de l'optimisation fiscale. Moi ça me dérange pas, hein. C'est-à-dire qu'on descend, on regarde, et on fait les trucs où il y en a trop, ben on dégage. Y a rien en trop. Il est jamais en train de me dire ça déborde. Tu vois, si jamais on a pas mal de voiles. On pourrait refermer le. On pourrait supprimer le bâtiment, mais je pensais construire des navires, c'est ça mon souffle de. Ce serait stupide. Ouais, il te faut une aciérie. Ouais, c'est quoi, on est à court de matières premières. Ah, y a pas de charbon. Ouais, y a pas de charbon. Ah oui, parce qu'en fait, les charbonnières, c'est pas pour faire tourner les mines, c'est pour faire tourner ces machins-là. C'est moi, c'est bouteille. Y'a le chef. Et lui, bah du coup, lui, on sait pas tant qu'on l'aura pas construit. Donc, vas-y, sors le terre. 100%. Bah, ça, tranquillement, tu vas monter à tes 100%. Bon, vous êtes dans la forêt, donc ça devrait rouler. Les usines peuvent commencer à tourner. On peut commencer à sortir un poil d'acier. Eh, j'ai vu plus 1. Hein. Pourquoi je suis à 0? J'ai vu plus 1. Arrêtez tout. Arrêtez de m'excroquer. Je peux le sortir de terre. Votre ville s'est enlaidie. Elle est moche. Elle est moche. Il n'y a aucune honte à produire des armes, si c'est pour la défense du royaume. Ma ville, elle est devenue gauche. Allô ? Non mais moi, tu me dis ma ville, elle s'est enlaidie, c'est bien, mais cool, mais... Le syndicalisme nouveau est arrivé. La voix des ouvriers sont... Oh ta gueule. Ah non, t'es déjà en train de me saouler. Commencez pas à me coller une greffe sur les bras, c'est pas... Donc on a de l'acier, ça c'est. On est en train de sortir de l'acier. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors oui, alors nous ce qu'on va faire c'est que voilà, on va rendre les gens heureux, on va faire du savon dès qu'on peut. Ça va être le premier truc qu'on va faire. Mais vu qu'on n'a pas d'acier, visiblement on a mais on n'a pas. Ça a l'air toujours un peu compliqué cette histoire. Ça a l'air toujours un peu obscur. Ah, déjà on produit juste pas assez du tout en fait. Ça, c'est genre, c'est la misère. Gisement pétrolifère. Ah, ok. Intéressant. Ouais, c'est, oui, non, en même temps, oui, c'est logique. Normalement, on va jusqu'au pétrole dans ces années-là. Les premières vraies exploitations de pétrole qui déconnent pas. Ah, on peut avoir un truc 100% quand même. Hein. On peut négocier des trucs à première vue. Hein. Toujours pas de pognon. Ah non, mais là ça commence à devenir lourd, les mecs. Hein. Sortez-moi du fric, grouillez-vous. Mais genre, grouillez-vous. Parce que là, c'est en train de gonfler votre histoire de on n'a jamais du pognon. Non, ça. Partie sauvegardée. Yes. Oh, le jeu. De suivre un peu, ça fait plaisir. Un incendie s'est déclaré.
Ah bah ça c'est normal. J'ai envie de te dire c'est normal. J'ai envie de te dire lol. Quelque part. Oula, gros instant. Je vais pas regarder ça. Gros instant. Si, si. Par contre, je vais pas le regarder parce que j'en ai rien à foutre. Mais ils sont où les pompiers? C'est vrai que j'ai pas mis de pompiers dans le camp pour économiser du fric. Mais si, ils sont là! Mais qu'est-ce que je dis? Mobilise. Ouais, bonne journée. Non, mais vraiment, je jure, on s'en fout. Construire une usine d'armement. Oui, certes. Mais d'abord, moi, je veux du savon. Moi je veux qu'on ait envie de venir habiter chez moi, tu vois. Entre deux incendies. Mais j'ai même pas assez d'acier. Osef ? Voyez. Osef. Stockage de sortie sabot. Ah. Stockage, pas le choix. Parce que je peux pas. Ah si, maintenant je peux peut-être les améliorer puisque j'ai de l'acier. Ah mais ça n'a jamais demandé d'acier, ça a juste demandé une fortune que je ne possède pas. D'accord. Et le truc c'est que les augmenter, il n'y a pas de coût d'entretien supplémentaire. Du coup, ça vaut grave le coup de l'augmenter. La caserne de Pomplard, j'ai l'impression qu'elle va être beaucoup trop loin. Ah. Ouais, elle est sur le Teco. Bon, voilà, c'est un peu particulier, mais bon, c'est design. Ou alors, on la glisse carrément derrière, genre déjà, tu vois. Enfin, déjà. L'incendie a été maîtrisé. Et on va partir par contre sur de la vraie route, hein. Les pompiers toujours, hein. Ça c'est de la vraie route, hein. C'est cadeau. Toujours. Voilà. Au moins on a deux. Voilà, on a deux grosses. Deux dépôts, ça rigole pas trop, c'est plutôt cool. Ici on a quoi? Un gisement de bon char. Je peux pas exploiter le bon char? Ah non! Non mais attendez, là c'est une blague. Hein. Moi je vais exploiter du bon char. Hein. Ah bah d'accord, je peux mettre l'usine d'armement directement. Ok, donc on là, ici. N'est-ce pas? Yes. Y a pas de raison pour en faire une. Mais je pense que ta productivité va chuter d'un coup. Pourquoi je peux pas? Parce que... Alors c'est de l'acier et un peu de pognon. Du pognon qu'on n'a pas, qui est en chute libre, qui est en train de dégringoler. C'est formidable. Il faut plus d'ouvriers. Je suis en train de couverture toute ma population en ouvriers et j'ai pas d'impôts quoi. J'ai rien qui rentre. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Se refaire un quartier. Hein. Ouais, jusque-là, je veux pas trop déborder sur la foresterie. C'est quoi ton problème? Ah ok, t'es en train de finir ta plantation. Sauvegarder. T'es toujours à 100% toi? Ah ouais. Bizarre. C'est bizarre.
Bah non, mais j'ai toujours pas sorti de terre. Oui, oui, non, mais j'ai compris. Ferme-la. Mais genre, vraiment, juste ferme-la. Voilà, c'est juste que le coût d'amélioration est insuffisant. On n'a pas de pognon. Point barre. On a du pognon, d'accord, mais on a pas de pognon. Alors, en attendant d'avoir les 700 vite fait, on peut toujours gratter l'amélioration d'une maison. Mais donne-moi cette maison, tu veux pas que je clique. Il y a des maisons comme ça, tu sais pas pourquoi il veut pas que je clique dessus. Voilà. 4 fermiers en rabat. On va pas loin. Je vous préviens, on risque pas d'aller très très loin. Allez, sors-moi cette terre. Je me retrouve à te prendre en exemple. C'est bon, toujours à 100%. Comme le font souvent les cadets avec leurs aînés. Yes. C'est cool. $88. Je les ai. Cher. Je vais essayer de les glisser. Et là, pourquoi ? Non, mais c'est ça qui me rend fou. C'est pourquoi, dans une société qui est stable ou dans laquelle je crée que plus d'habitants, j'ai pas de chute d'habitants, on voit hein, mon chiffre d'habitants est stable. Pourquoi je passe de 500 balles à voilà, moins quelque chose, direct ? Alors que lui, voilà, c'est $150 d'entretien, donc je veux bien que je perde 150. Mais je pas que je me casse pas la gueule comme ça, quoi. C'est fou. Ah oui, non, d'accord, en fait, je comprends. Oui, d'accord, il y a des bâtiments qui ont des négatifs. Qu'est-ce que je vois, là ? Okay. Des crottes de chiens ? Oui, j'ai bien compris. Il y a des trucs qui ont du négatif. Et alors, du coup, vous avez du positif, ça se passe comment ? Ça a pas l'air, hein. La déco ça a l'air d'être vraiment genre gratos quoi. Ah, j'ai même pas de quoi finir des peupliers, c'est vraiment honte. D'accord, mais je fais comment pour rendre une ville plus jolie ? Je veux bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Genre, ça c'est beau par exemple ou pas ? Ah, les marchés me disent on est plus ou moins. Ok. Je vois bien sur un petit de truc ou autre. Enfin, je veux bien qu'on me dise que ma ville elle est jolie tout ça, mais on me dit pas ce qui donne. Ce qui donne du positif, ou alors je les ai pas trouvés. Ça déborde de partout. Ce cache de sortie saturé. Ah bah oui, ça c'est le drame. Hein. Et ça il me faut 2500 balles. Donc voilà, bon je pense qu'en vrai je vous ai embêté assez longtemps avec cet épisode de l'infortune. Complet. Je vais rien construire d'autre, je vais juste faire défiler le temps pour qu'on masque, on commence à masser un peu d'argent. Amasser un peu d'argent. C'est tout ça. Et je vous dis à la prochaine, c'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour un beau 1800. À la prochaine, ciao.